Et maintenant, on va parler de François Legault et Justin Trudeau, qui étaient à Longueuil hier pour annoncer de nouveaux fonds de 1,8 milliard de dollars pour la construction de logements. France-Hélène Duranceau, la ministre responsable de l'habitation, était également présente hier et elle est avec nous. Merci d'être avec nous, Mme Duranceau. Bonjour. Alors, on investit, mais comme le disait François Legault hier, le défi maintenant, c'est de construire. Oui, effectivement. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a 1,8 milliard. On a 900 millions qui nous est venu du gouvernement fédéral sans condition. Alors ça, c'est une excellente nouvelle parce que les gens qui proposaient des projets d'habitation se plaignaient souvent de la complexité des programmes. Mm-hmm. Alors là, le 900 millions du fédéral s'ajoute à notre enveloppe, à nous, et on va gérer ça agilement pour que les 8000 unités de logement sortent dans les meilleurs délais. Moi, je vise à ce que dans les prochains mois, là, idéalement, avant Noël, on a attribué ces 8000 unités de logement-là pour que la construction puisse s'entamer. Construction, là, on parle d'abord de faire les plans, obtenir tous les permis, mais que tous les processus mm-hmm. puissent commencer là, dès 2024. Mais la construction serait terminée là, d'ici 4 ans. Mais est-ce que d'ici là, là dans les prochains mois, on va en voir quand même des immeubles d'habitation qui vont pouvoir voir le jour? Hein? Tout à fait. Cette semaine, j'étais à Fermont pour annoncer un projet qui venait là, de se terminer. Là, aujourd'hui, j'étais dans l'est de Montréal, à Pointe-aux-Trembles, pour annoncer 720 unités de logement qui ont été acquises, sorties du marché pour les conserver abordables. Alors, il y a des annonces comme celle-là à chaque semaine. Elles se perdent peut-être dans le paysage médiatique, oui, là, mais on va s'assurer que l'information est bien communiquée. Il n'y a jamais eu autant de logements en construction là, subventionnés par l'État qu'en ce moment. Alors, ça, c'est tout ce qui a été annoncé avant et s'ajoute à tous ces chantiers-là, les 8000 unités dont on a parlé cette semaine. Fort bien. Madame Duranceau? Puis peut-être que j'aimerais... Oui, allez-y. Oui, allez-y. En fait, je voudrais ajouter, vous disiez quand est-ce que ça va sortir puis comment faire pour que ça aille plus vite. Bon, là, les programmes vont être plus simples, mais par ailleurs, on a ajouté dans le projet de loi 31 un amendement où on vient donner un super pouvoir aux villes de déroger à leur règlement de zonage pour des projets d'habitation, de logement social, abordable, étudiant et aussi logement de marché. Alors ça, c'est une mesure qui, pour 5 ans, va permettre aux villes de contrer le pas dans ma cour. Mmh. Si les élus pensent que c'est le bon projet, ils auront tous les pouvoirs pour accélérer les choses et que les permis soient émis. Parce que c'est ce dont les développeurs se plaignent. Eh oui. Ça prend trop de temps. Eh oui, il y en a qui disent qu'ils s'arrachent les cheveux puis que ça dépend des villes. Il y a des villes où c'est beaucoup plus compliqué, notamment Montréal. Donc là, vous avez l'impression qu'avec notamment les amendements au projet de loi 31, là, on va alléger le processus. Là. Bien, écoutez, les villes vont avoir le pouvoir de le faire. Passer outre plusieurs étapes d'approbation quand elles jugent que c'est le bon projet et que ça répond à l'intérêt collectif. On a beaucoup de gens qui s'opposent, veulent pas le projet dans leur cour, donc des petits groupes, mm-hmm. mais collectivement, on est mal servi là, par ces situations-là. Alors, on donne les pouvoirs aux villes. C'est ce qu'elles souhaitaient. En Ontario, le gouvernement provincial a une main de fer, peut-être un peu plus. Nous, on voulait aller dans la collaboration avec les villes, donc elles vont avoir le pouvoir d'agir. On espère qu'elles vont... Évidemment, il faut que le projet de loi soit sanctionné, oui. mais qu'elles iront de l'avant puis qu'elles vont utiliser ce pouvoir-là qui leur est confié. Oui, parce que c'est urgent. Là. Ce que j'allais dire un peu plus tôt, c'est que la Société canadienne d'hypothèques et de logements dit qu'il faudra quand même 860 000 logements de plus d'ici 2030. C'est immense, là. Bien, c'est immense. On a un contexte, comme on a dit souvent, c'est une tempête parfaite. Les taux d'intérêt sont élevés, la main-d'œuvre est rare, les coûts des matériaux, bien qu'ils aient baissé un peu, demeurent élevés. Alors, très difficile pour les constructeurs de se retrouver avec des conditions gagnantes pour lancer des projets. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est aider financièrement là, à l'aide de nos programmes pour le logement social et abordable. Puis, j'ose espérer que les villes, en ayant les bons outils, si déjà elles accélèrent les processus, bien, le temps, c'est de l'argent dans des projets immobiliers. Donc là, on peut raccourcir le temps, donc les coûts d'intérêt et tout dans le déploiement des projets. Mais écoutez, on ne réglera pas ça en 3 ans. Là. Je veux être clair. On met les conditions en place, les bonnes conditions en place, pour que les choses soient plus fluides.
Mais c'est mondial, là, cette crise-là. On n'est pas épargné au Québec, au Canada, mais je pense qu'il y a une volonté de toutes les instances gouvernementales d'aider, puis Mais vous d'être dites ça, plus mais agile. hier, François Legault a dit que la crise du logement est maintenant un problème vraiment grave. Mais il y a quand même des critiques qui disent que ça a pris un peu de temps, là, au gouvernement, là, de réagir. Ça fait longtemps qu'on aurait dû dire que c'était une véritable crise. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, je réponds qu'on a agi quand même, là. T'sais, le dire, c'est une chose, là, mais on a quand même mis 5,3 milliards 3,8 milliards dans le dernier mandat, ajouté à ça d'autres argent dans ce mandat-ci. Alors, reconnaître, OK, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le cadre du dernier mandat. Avant, les projets étaient annoncés, là, mais il n'y avait aucun suivi qui se faisait. Puis, ça prend 6, 7, 8 ans à sortir les projets. Là, c'est fini, ça. On a changé de programme. On a insufflé de la rigueur dans toute l'approche. Puis, on choisit mieux les projets. On s'assure que c'est des projets qui sont prêts à sortir de terre, qui ont les bons partenaires financiers autour de la table. Alors, je pense qu'on s'est doté des bons outils pour avancer. Puis ça, c'est sous le dernier mandat. Alors, reconnaître la crise ou pas, je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose. Je pense qu'il y a des choses qui avaient été mises en place, des nouveaux partenariats financiers avec Desjardins, avec le Fonds de solidarité, pour mieux faire les choses. Et puis, ben, moi, j'arrive avec une approche très chirurgicale pour faire débloquer chaque projet. Donc, cumulé à ce qui avait été fait avant moi, je pense que là, on a des bons outils pour Parfait. livrer et exécuter, comme je dis à tout le monde. Madame Durasseau, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir.